Bonjour. Imaginez que vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez afficher automatiquement la dernière vidéo publiée sur votre site web. C'est exactement ce que ce script JavaScript permet de faire. Tout d'abord, on définit trois constantes: l'identifiant de votre chaîne YouTube, l'identifiant de l'endroit sur la page où le titre de la vidéo doit être affiché, et l'identifiant de l'endroit où la vidéo elle-même doit être intégrée. Ensuite, il y a une fonction appelée getLatestVideo. Cette fonction est chargée d'aller chercher les informations sur la dernière vidéo publiée sur votre chaîne YouTube. Pour ce faire, elle envoie une requête à une URL spéciale qui renvoie le titre et le lien de la dernière vidéo. Une fois que la fonction a récupéré ces informations, elle les sépare en deux parties, le titre de la vidéo et le lien vers la vidéo. À partir du lien, elle extrait l'identifiant unique de la vidéo, qui est nécessaire pour l'intégrer sur votre page web. Après cela, le script recherche les endroits sur la page où le titre et la vidéo doivent être affichés, en utilisant les identifiants définis au début. Si ces endroits sont trouvés, le script met à jour le contenu de la page en insérant le titre de la vidéo à l'endroit prévu, et en modifiant le code source de la vidéo intégrée pour qu'elle affiche la nouvelle vidéo avec l'identifiant récupéré. Enfin, le script attend que la page web soit complètement chargée avant d'exécuter la fonction getLatestVideo, afin de s'assurer que tous les éléments nécessaires sont présents sur la page. En résumé, ce script JavaScript permet d'afficher automatiquement la dernière vidéo publiée sur votre chaîne YouTube, en récupérant les informations de la vidéo à partir d'une source externe, et en mettant à jour le contenu de votre page web avec le titre et la vidéo correspondante. Cela vous évite d'avoir à mettre à jour manuellement le contenu de votre site à chaque fois que vous publiez une nouvelle vidéo.